suis mariée, j'ai trois enfants. Je n'en ai voulu que trois et j'ai avorté trois fois. Il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie, c'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force. La preuve, c'est que la loi 1920 a beau continuer d'exister, bien les femmes, quand elles ont essayé d'avorter, elles vont jusqu'à en mourir, elles vont jusqu'à devenir stériles, mais elles le font. Il fallait le faire en douce et s'exposer à l'horreur personnelle. Puis c'était tellement condamnable et condamné, c'était une punition. Vous y aviez pensé? Bien sûr. C'est votre éducation et votre éducation religieuse, disons, qui vous ont retenu? Pas du tout, non, j'avais pas assez d'argent. On était dans la campagne, dans le Berry, en zone libre. J'avais dit à mon amoureux, eh bien, pour mon anniversaire, on va faire l'amour. Et puis, évidemment, j'ai été enceinte tout de suite. Alors, c'est là que mon père, il m'a fait avorter pour la première fois. Alors, moi, j'ai été condamnée pour ça. À 2 ans de prison avec sursis pour avoir fait un avortement illégal. C'était la démerde, quoi. Ceux qui avaient de la chance et ceux qui avaient de l'argent. Et puis après, quand on s'était débrouillé tout seul, on essayait de dépanner les autres. La solidarité femme, elle a marché quand même là. Je me suis autorisée, si on peut dire, à faire des avortements sur mes propres amis. C'est une femme qui avait vécu la même chose, qui avait failli en mourir d'une septicémie, qui me donne cette adresse avec la consigne de me faire faire des piqûres d'antibiotiques. J'avais le sentiment d'être délinquante au sens premier du terme, c'est-à-dire hors de la société, mais pas en faute, hors d'eux. C'est la grande expérience de ma vie, c'est une épreuve initiatique, c'est-à-dire que je ne serai plus jamais pareille après. Ah, les médecins, ils étaient pris, ligotés par la loi. Et leur attitude oscillait entre le mépris, la violence et du moins ceux que j'ai rencontrés. Mais elle existe toujours plus ou moins, cette loi du silence. On n'allait pas jusqu'aux détails. Or, ce sont les détails qui tuent. Ce sont les détails qui sont affreux. On m'a laissé le fœtus pendant 2 jours dans la clinique, dans le bidet. Ça m'a complètement traumatisée. Alors, j'ai fait une dépression pendant 6 mois qui ont suivi. J'étais complètement retournée. Bon, 2 ans après, je me suis retrouvée enceinte. J'ai cherché encore une solution et je ne voulais pas passer par où j'étais passée, puisque la fois d'avant, également, à la clinique, j'avais fait une hémorragie. On s'était trompé de groupe sanguin quand on m'avait fait la transfusion. On m'a donné les coordonnées pour aller en Hollande. On passe tous à la chaîne, c'est-à-dire on nous fait une piqûre, etc. Du fait qu'on ne nous endort pas parce qu'on est très nombreuses et qu'ils font un peu ça à la chaîne, on sait que pendant un quart d'heure, on va un peu déguster. J'avais 17 ans. Ben, j'ai eu affaire, elle faisait ce danger, mais j'en fais pas un fromage, hein, j'en fais pas, j'ai jamais dramatisé. Ma pose sur une table de cuisine. Mais c'est pas. Tout dépend ce qu'on en fait de cette table de cuisine. Et elle m'a posé une sonde, et puis après, rien, j'ai expulsé chez mes parents. Ma mère n'était pas là, mon père était là, il n'a pas posé de questions. Et là, je me dis, c'est un vrai communiste. Alors, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Bon. Comment ? Alors, comment du bricolage, maintenant quand j'y pense, je me demande comment je fais pour être là en ce moment. Est-ce que vous avez voulu vos 7 enfants ? Non. Oh non, on ne désire jamais beaucoup d'enfants. C'est dur à élever les enfants, vous savez. Puis en plus, on est esclave aussi. Vous avez pratiqué un avortement ? Oui. Combien de fois ? 2 fois. Vous n'avez pas eu peur du tout ? Du tout, non. C'est vous-même qui voulez te provoquer. Oui, oui, oui. En principe, ça se passait le vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir ? Parce qu'on on pouvait avoir samedi et dimanche pour saigner, et le lundi matin, elle repartait travailler. C'était atroce. Je vous rappelle que c'était la cause de mortalité la plus importante pour les femmes entre 18 et 50 ans.
On avait peur de deux choses. On avait un peu peur des flics, c'est vrai. Mmh. Et on avait aussi un peu peur qu'il nous arrive quelque chose avec la femme qu'on avortait. Alors, on s'était organisé. Moi, c'est une autre jeune femme qui m'a appris, qui l'avait appris d'un médecin. Il y a des médecins qui sont mouillés à ce moment-là, parce qu'il fallait se fournir du matériel. On n'avorte pas quand même sans matériel. Et les mecs de mon immeuble ont été vraiment très, très chouettes, parce que je me souviens qu'ils avaient été acheter aux puces un moteur de frigidaire pour 85 francs. Ils l'ont trafiqué, je ne sais pas, mais le moteur m'a fait un aspirateur Karman extraordinaire. Ce qu'il fallait, c'était ouvrir le col absolument. Et c'était ça qui est le plus difficile, parce qu'un col est extrêmement fermé. Oui. Il y en avait qui connaissaient aussi le curetage à vif. Il y en a quelques-unes qui ont eu droit à des curetages à vif. Il fallait les punir pour avoir pêché. Tout à fait. On ne le disait pas comme ça, mais vous êtes des salopes. C'est vrai qu'on partait en guerre, mais on avait quand même très peur. On s'était rendu compte que c'était la désobéissance civique. Mais il fallait être nombreux. Et qu'on allait réussir que comme ça. Et que les femmes qu'on avortait, il fallait qu'elles puissent témoigner, celles qui voulaient bien, pour pouvoir dire aux journalistes, voilà, dans tel hôpital, tel jour, à telle salle, on va faire un avortement Karman. Et que la femme, en sortant, elle disait, voilà, j'ai avorté. C'était plus tenable. C'est ça, la désobéissance civique. Et à un moment, c'est plus tenable.